Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ma console a pas aimé en bonjour. Ah, cette musique. Et bien bonjour à tous, nous revoilà dans Little Nightmare 2. Et on va poursuivre. On va poursuivre tranquille, on va essayer de d'aller sauver notre pote. Parce qu'on se rappelle la dernière fois, on s'est fait kidnapper Six, de mémoire. On sait pas si c'est Six, mais en gros le garçon ou la fille qui a le manteau jaune du héros du 1. Et héros, c'est encore une grande question, donc bref. Le protagoniste du 1. Donc la grande question par contre qui est un peu bizarre, c'est pourquoi Six s'est fait enlever, on va l'appeler Six. Hein. Pourquoi Six s'est fait enlever alors que moi, s'il me chope, il me bute. That is the question. Et donc on avait traversé les quartiers des gros addicts là. Les gros addicts de la télé. Et donc maintenant on doit aller, on essaye de sauver la petite quoi. La petite, comme on dit en jargon. Ok, personne dit ça, mais... Vous avez compris. Oh, des fringues. Attends, il y avait une explication pour ça. Pourquoi il y a des fringues mais sans les gens? On le sait ou pas? Je sais plus. Il me semblait qu'on avait vu une créature qui faisait ça parce que... Le Slenderman in Black, là, il me semble pas qu'il enlève les fringues. La phrase... Non. Merde. Oh putain. Il doit se téléporter lui en plus. Et merde. Oh, j'ai plus habitué aux touches. Cours. Voilà, donc quand on parle du loup. Putain mais fous-moi la paix bordel. Je vais placer mon intro. Je vais discuter. Avec ma commu. Zalwok, ça parce que j'ai dit Slenderman in Black. Oh non. Mais je vous pas de ma gueule, c'était bon là. Oh le fumier. Bon allez, vas-y, cette fois on lui fout un wagon sur la tronche. Allez, on y retourne, vous avez rien vu. Yamakasi. Pauvre gosse, quand il pense, je vais le dire 14 milliards de fois, mais sérieux. Ah, faut vraiment pas perdre une seule seconde en fait. Hein. Je sais pas comment on fait, à chaque fois je me loupe deux boutons. Voilà, c'est ça que ça aurait dû faire. Yes! Et le course toute! C'est bon, tu me fous la paix là ou tu te téléportes? Ah, il me fout la paix. Attends, je suis où moi? Attends, on s'est pris une petite course poursuite des familles d'entrée de jeu là, mais avec grand plaisir, c'est le but. Attends, c'est moi. Ok, putain, j'ai eu peur, je croyais que j'avais loupé une touche. Oh là là, par contre, j'ai eu mal. Attends, je suis quand même pas déjà à la fin, j'espère. J'en veux plus, moi. Ah, mais c'est Six. Non, reviens. Alors moi, j'ai toujours pensé que ces ombres-là, ils étaient morts. Hein, donc, ça chlingue un peu. Oh, tu vas pas me dire qu'il va me lâcher là, c'est sûr qu'il va me courir après l'autre.
Alors monter une échelle avec un mal de bide, ça va être horrible. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais mine de rien, ça va faire mal. Et de la force, mine de rien. Ah, la fameuse tour. Oh, l'effet de lumière pour faire des... Non ? Je pensais que ça allait faire des yeux. Oh merde. Gamin. Oh oui, on va te péter la gueule toi. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Ok, c'est le même principe que la télé, d'accord. Il va crever là. Oh, il a vraiment la classe par contre. Sa façon de se bouger là, c'est vraiment effrayant. Avec le quoi mec? C'est bon là, maintenant que je peux te contrer. Oh, des coriaces hein. Ah, j'en ai pas fini avec toi, toi, à tous les coups. Ah, déjà j'ai repris le poil de la bête déjà. Bon, j'imagine ça m'a téléporté devant la tour, j'imagine. Parce que la lumière est violette, comme l'endroit où il y a l'œil. Bah, là où on rentre dans la télé, là on a un genre d'accès. Ouais, c'est ça. Les textures est vraiment incroyable. Ouais, c'est un délire à la Bois Perdu là, faut suivre la musique. Il y a un œil là-bas.
faire, je pense pas. Ok. Je vais pas fermer une porte peut-être, non? Je vois mon ombre de l'autre côté, donc on dirait un genre de miroir. Bon, visiblement dans le sens à droite ça marche pas. Ok. Attends, attends. On va essayer de suivre la musique. On va voir si c'est ça. Oh, les décors sont vraiment beaux. Oh, j'aime trop. Ah, attends, il y a une porte qui s'est ouverte. Non? Alors, cette porte-là, c'est sûr. Tire là. Ah, je peux pas tirer, merde. C'est sûr, cette. Ah non, je vais passer celle d'en face. Ah, voilà. Voilà, c'est ça, faut suivre la musique. Et au final, j'ai la prochaine. L'escalier me donne l'indice où est la prochaine porte. Oh là là, ça part en flippant là.
Qu'est-ce que... Oh non! Oh quelle horreur! Non! C'est comme ça qu'ils deviennent tous comme... tous des monstres. Ouais, va bouffer si je m'approche, non? Bon, l'air de me suivre. Je vais regretter ce que je vais faire, mais bon. Ok, t'as pas l'air gentil. T'es pas compréhensif. Je vais juste t'aider, moi c'est tout. Oh là là, mais qui c'est quoi cet endroit de l'enfer là? Mais je suis censé faire quoi? Ok, bon. Et le loot malheureusement, il y a des pubs depuis que je suis passé affilié. Donc tu vas te prendre 30 secondes de pub d'entrée de jeu. Et je peux rien y faire. J'ai essayé. J'ai essayé de les enlever, mais je peux pas enlever. Mais comment je fais? Je dois faire quoi là? Wow. J'ai essayé de les enlever. Malheureusement, je suis obligé de les limiter à de mettre au minimum 30 secondes. Ça me fait chier aussi, mais j'aurais su d'ailleurs. J'aurais peut-être pas passé affilié direct. Bon, apparemment la solution c'est pas de me barrer, donc on va essayer. Qu'elle défonce la porte peut-être. Allez, défonce la, vas-y. Yes. Oh mais quel enfer. Ok, une hache. Allez, dépêche. Pas le temps de niaiser. Oh merde. Elle me voit là ou... On va essayer de passer, hein. Oh merde. Oh. Ok. Ok, je comprends le principe, mais elle m'a bien pété la tronche. Hein. Allez, viens la petite. Ah d'accord, c'est les cris que j'ai ramassés. C'est ultra chaud. Attends, à moins que d'abord... Ah non, parce qu'elle m'a attaqué quand même. À moins que ça la repousse.
Ok, visiblement il y a un truc que je comprends pas là. Là si je vais comme ça, d'accord, je m'en prends une. Voilà, je m'en doute un petit peu. Donc quand je l'appelle, ça l'attire. Si je m'approche trop, je me fais taper. On est là déjà. Moi, faut que je la fasse cogner contre quelque chose. Ah mais oui, j'ai con. Oh, ça pue cette histoire. Ça pue du cul. Oh putain, le taquet. Non. Ok, il y a plus de qu'avant. Par contre, lâchage de merde. Mais pourquoi je la tiens? Ok. Alors, comment on va faire ça? Cette porte-là, mais nous. Ok. On va essayer, hein. Reste tranquille, frère. Oh, putain. Donc a priori, je pense faut que j'arrive à amener la hache. Et je pars en bas à droite. Chose, histoire. Oh, ce vol. Oh, elle me fait pitié, franchement. Oh là là là, par contre, elle est méga forte. Elle me fait pitié, franchement. Ah, j'ai pas vu au plafond. C'est quoi? Vieux bubon, je pense que c'est. Par contre, pourquoi il lâche pas sa foutue hache là? Je lâche ma gâchette depuis 3000 ans. Voilà, fais ça là. Ah, ça me va ça. Oh merde, ok. Non, il y a une stratégie qui va pas là. Comment je peux pas? Bon, ça c'est sûr, ça marche déjà. Ça. C'est chaud. Ok. Bon, deuxième coup passé, est-ce qu'il y en a un troisième à mettre? J'espère qu'on peut la libérer, j'ai vraiment pas envie de tuer ma pote.
C'est tellement le bordel. Rien nous dit qu'elle est réelle, hein, la petite. Hein. Ça se trouve, c'est une hallucination même de nous ou un truc dans le genre. Ouais, elle est où, Mash? Ah, ok, là-bas. C'est pire en pire. Elle va où celle-là? Elle va à gauche? Ok. Ouais, c'est l'inverse que j'aurais dû faire. Attends, comment je peux faire ça? Parce que je peux pas grimper là, si? Si, je peux grimper aussi. Ok. Le mieux, c'est faut que je profite de cet endroit-là. Là. Oh, elle est beaucoup trop taquée. Et bim! Je l'ai vraiment eu, Slenderman, là? Oh, c'est quoi ce truc? Ah, ok, c'est bon. La musique qui se déforme avec les frappes, c'est trop bien. Bon, visiblement, c'était pas ça qu'on voulait faire. Désolé Six. J'espère vraiment que ça va t'aider. Oh là là, c'est quoi cet enfer là? Oh, quelle horreur! Cours, 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 cours! Oh bordel! Ok, fallait que je grimpe en haut. Ok, encore, on récapitule. Ça, on fait ça. Ah mais elle était en plus jeune que moi par contre la petite là. Ah, je suis con en plus. Ah je me suis planté, fallait que je prenne le tremplin, que je saute en haut et je vais à droite, ok. Et j'ai à droite. Le bouton de course c'est vraiment bizarre, c'est très perturbant. Ok, là on fait ça, là on va là. Jusque là on peut sauter. Là on saute ici. Et là on saute là. Okay, ça va. Oh là 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 là, mais. Non! Vas-y monte, 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 monte! Monte!
Allez! Allez! Ce que je vais le faire! Allez, remonte-moi là! Là, je... Oh, me laisse pas, me trahis pas, s'il te plaît. Mais quelle fumière! Donc je l'ai pas sauvé. Oh, on me fait pas la blague, genre pour avoir la vraie fin, faut choper toutes les trucs là. Toutes les ombres. Oh, mais c'est quoi cet endroit? Non, non, je joue pas là-dessus, moi, ça pue ça. Je peux me barrer ou comment ça se passe? Oh non, je peux pas me barrer, je suis obligé sur la chaise. Je saute sur l'œil pour la peine, tiens. Bon. Choix. Ah, je vais devenir le Slenderman. Thank you.
Oh le pot. Oh, c'est horrible. Ben voilà, comme quoi il est sort pire que la mort. Hein. Ça explique pourquoi il veut enlever Six et pourquoi nous il veut nous tuer. Parce que si. Bah après. Après évidemment sujet d'interprétation, mais j'imagine que s'il veut enlever Six, bah c'est pour pas que l'autre reste avec. Que le. En fait c'est une punition quoi. Il l'a fait devenir un genre de concierge, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait. Le truc à l'ombra dans le premier là, il était surnommé le concierge. Donc si elle l'enlève elle, c'est pour la punir. Ou pour jouer avec, parce qu'on sait pas trop, on dirait quasiment un animal de compagnie là quand il lui file sa boîte sa truc sa. Quand il lui file sa oh, j'arrive plus à parler. Sa boîte à berceuse là. Oh, ça me fait pitié pour lui en plus. Comme ça, il l'a puni elle dans la télé. Bah, il l'a puni comme lui a été puni, c'est-à-dire être coincé quelque part. Être coincé quelque part sans espoir, quoi. Et j'imagine qu'il veut nous tuer nous, parce que s'il nous tue, bah, il deviendra pas le Slenderman. Parce qu'il sait comment on va finir si on reste en vie. Bah ouais, bah bien meilleur que le. Moi je trouve bien meilleur que le premier, hein, sans problème. Il y a encore des défauts de timing un peu trop serrés, surtout quand tu connais pas le jeu là, mais. Mais en termes d'ambiance, de décor et tout, là ça fait du bien d'avoir du changement, d'avoir des gameplays différents, d'avoir des. Même les ennemis sont assez. Sont tous assez uniques. Après le Slenderman est clairement le plus mémorable, hein. C'est clairement celui qui est devant là, mais. Oh là là, ça me fait pitié pour le gamin principal là. On est vraiment obligé de finir comme ça là, sans déconner? C'est pas possible, il y a une autre fin. Je suis sûr qu'il y a une autre fin, c'est pas possible. Oh, c'est le truc où c'est ça, il y a une autre fin, mais c'est le truc des ombres là. Attends, on va voir si on l'a débloqué parce que je crois qu'apparemment ça se met après le générique. Non, ça s'est joué après la fin. Après que la porte se ferme. J'espère, je pense pas qu'on va débloquer. Hein. Apparemment, faut trouver 18 ombres. Je pense pas que j'en ai trouvé 18. J'ai dû en trouver une dizaine.
Oh, je suis dégoûté, putain. On finit un jour générique ou quoi ça se passe là? Bon, apparemment, on n'apprend pas grand chose avec la fin secrète là. On a des indications en plus, mais ça a l'air quand même d'indiquer que c'est un préquel. Que le 2 en fait est un préquel du 1. Puisque donc la personne qui a l'imperméable jaune, c'est bien Six, apparemment, donc le héros du premier opus. Et nous, quand on le voit dans le premier, il a déjà son. Donc, c'est un mec, c'est pas une fille. Et quand on le voit dans le premier, il a déjà son imperméable en fait. Donc, il y a quand même de grandes chances que ce soit le. Que ce soit le protagoniste, que ce soit un end préquel, et donc que notre personnage à nous est vraiment mort, vraiment mort ou vraiment transformé. Que Six, elle, va aller sur le, lui va aller sur le bateau, et donc faire les éléments du 1, donc défoncer, galérer à survivre et défoncer surtout les espèces de riches bourgeois bouffeurs de gamins, je sais pas comment les appeler. Bien sympatoche en tout cas. Bien bien cool. Je sais pas si on aura un 3. Je sais pas si on aura un 3 de prévu. Checker ça. Je pense que oui a priori. Ah merde. Bon apparemment il n'y aura pas de 3. Hein. Genre. Ça a l'air de dire que c'est un peu mort. Une photo d'un. Apparemment, une photo. Tiens, le 22 mars 2023, c'est pas. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais apparemment, ça sera pas. Ils sont sur un jeu qui a l'air d'avoir une ambiance un peu similaire, mais ça sera pas Little Nightmare 3. Ça en sera un autre. Donc, à voir. Mais il dure 1000 ans ce générique là, c'est un truc de fou. Je peux pas le passer en plus. Donc j'ai ralenti. Ah ok d'accord. Du monde sur ce jeu là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. J'espère qu'il a marché en tout cas, parce que c'est quand même genre que malgré ses défauts, c'est quand même un jeu qui mérite. Il est quand même assez. Il a une direction artistique qui est juste magnifique, qui est horrifique à souhait, et encore c'est la plateforme, genre c'est un des styles les moins. Je trouve que les moins flippants. Parce que la pire sanction que t'as en gros c'est de mourir, genre c'est pas comme. C'est pas gore ni rien, c'est vraiment je tombe dans un trou et c'est bon, t'as fini, tu repars au checkpoint. Et malgré ça, il a vraiment sa petite ambiance nickel, quoi. Nickel! Bon alors, on arrive à la fin ou pas là? D'accord, tout ça pour ça. Ah ça je mets c'est dépouilles corrompues. Il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais ça j'en ai récupéré 10. 10 sur 16 apparemment. 4, 10, 14, 18. Et il n'y en a pas dans le cinquième. Il y a les chapeaux à récupérer, je sais pas où on les a les chapeaux. Mais c'est vrai que par contre les chapeaux pour le Slenderman je veux dire ça va avec le fait que c'est un Slenderman quoi.
Eh ben bien sympa. Ah, comme d'hab, on va stopper la vidéo là pour faire une petite pause et puis on reprendra à autre chose après. Puis la musique, par contre, la musique est cool aussi. Je m'attendais pas à ce qu'ils se finissent aussi vite, c'est dommage. Et en tout cas, pour les gens qui vont regarder le stream de Little Nightmare, à une prochaine pour un autre stream, j'espère. Et pour les autres, on se revoit dans pas long. Bye!